évidemment, le BCS gameplay de Battlefield 4. Donc, intitulé Misère au Battlefield. Comme on peut voir, j'étais en train de sniper des ennemis. Comme on peut voir, j'ai tué ces ennemis. Et là, oh, je me suis fait tuer. Donc, je l'ai tué. Donc, on s'est entretué, en fait. Même si on s'est pas entretué directement. Donc, c'est pas mal ça pour le cinquième meilleur moment. Pour le quatrième, le BCS test Gran Turismo. Intitulé, on ne savait plus comment conduire. Bien sûr, quand je faisais le BCS test, j'essayais de conduire. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu. Donc, j'essayais de conduire et table. Sauf. Oui, on peut voir. De manière équitable. Donc, on peut dire proportionnée. C'est pas très proportionné cette manière. Donc, pour le troisième, c'est Clash en Clank. Un agent secret qui ne sait pas éviter les lasers, bien oui, parce que j'ai fini au moins le jeu 4 fois, 5 fois, et je sais toujours pas éviter les lasers. Sauf que toutes les autres fois que j'essaie de le faire, j'ai réussi. Mais, quelques fois, 2, 3 fois que j'ai mal réussi. Mais la plupart des fois, vu que j'ai fait comme le début du jeu 10 fois, eh bien je n'ai pas eu. Comme nous allons bien voir, je ne sais pas si vous allez voir à cette ce BCS défi n'a pas long. Si oui, ben, tant mieux. Sinon, ben vous avez vu une scène que j'ai faite d'une vidéo de 2014. Donc, oui, on peut voir, j'ai clone et tout et tout et tout. J'ai terminé le jeu. J'ai plusieurs points de compétence. Je ne vais pas montrer. Je vais vous montrer le BCS test plus tard. Bien sûr, parce que je dis le BCS test, bien sûr. Oui. Donc, comme vous pouvez voir, comme vous allez voir, je n'ai pas réussi ces touches. Étrangement. Donc, c'est ça. Mais pour le deuxième moment, le BCS défi de Ghost Recon, à la guerre, on ne regarde pas aux points cardinaux. Bien sûr, parce que, comme on peut voir, je ne regarde pas où il faut regarder. L'ennemi est à gauche, je regarde à droite. Espèce de stupide. Mais, c'est pas le plus choquant. Parce qu'il y a toujours le premier qui est très étonnant et que je ne vous ai jamais montré encore. Le BCS de Ratchet & Clank 3 Personal. Place la caméra pour qu'elle ne tombe pas. Oui! Parce que la caméra, comme nous allons voir, elle va tomber! C'est que stupide! Peut-être pas tout de suite, c'est plus tard, je sais. Donc, oui. Donc, je montre toutes les armes, tout ça, vous allez voir, c'est une inusité. Et oui, comme vous allez voir, je vais évidemment tomber. Ben, je vais pas tomber. La caméra va tomber plutôt. Comme on peut voir, l'écran va un peu plus par en bas, c'est-à-dire la caméra monte par en haut, la manière que je l'ai placée. Mais donc, ce sera tout pour. Je vais laisser apprécier ce moment. Ce sera tout pour les 5 meilleurs moments 2014. Et donc, joyeux Noël, tout ça. Et donc, au revoir. Salut.